Bon, du coup, on avait fait le fameux Lee pour libérer Morphibou, le dieu de cette île, on va dire, qui va nous aider du coup à attaquer le château de Bozer. Donc, on avait fait le Lee, hein, le fameux Lee. Comment il s'appelle déjà? L'Utili. L'Utili pour aller dans le monde onirique, réveiller Morphibou. On avait fait tout ça la dernière fois. Donc, bah maintenant, il faut qu'on aille. Faut qu'on continue, quoi. Et normalement, bah là, on va avoir accès au château de fin avec Bowser et Phobieux. Et normalement, bah après, c'est game, hein. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il me reste pas non plus grand chose à faire. Donc, on verra bien où est-ce qu'on en arrive. Salut Kira, salut Sangwan. Donc, on verra bien où est-ce qu'on en arrive. On verra combien de temps ça va durer. Je pense pas que ça va durer des heures et des heures. Pour ça, je pense qu'on termine aujourd'hui. M'étonnerait qu'on termine pas aujourd'hui, de toute façon. Ok. C'est Karanema. T'as manqué combien de Kusinos? Bah, il me manque deux ici, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'en manque deux ici. Ouais, il m'en manque deux ici. Donc on va peut-être pas quitter la zone maintenant alors. Mais quittons peut-être pas la zone maintenant. Et il faut que je scoute vite fait la map, voir où est-ce que j'aurais pu rater des Kusinos. C'est vrai qu'il m'en manque deux des Kusinos. Où est-ce que j'aurais pu rater des Kusinos? Est-ce qu'il y a une route que j'ai pas prise à un moment? Est-ce que je vais faire les routes une par une? Comme ça au moins on sera sûr. L'idée du prochain jeu, bah en vrai on en discutait hier parce que justement on en parlait hier de savoir ce qu'on allait faire. Et en vrai avec tous les noms de jeux qu'on a sortis, c'est vrai que celui qui m'a marqué le plus serait Phantom Hourglass. On doit faire Zelda Phantom Hourglass. J'avoue que je dirais pas non. De refaire un petit Phantom Hourglass, petit Zelda DS. Après c'est spécial parce que du coup c'est un jeu sur DS qui joue pas mal normalement au stylet. Et du coup sur émulateur on peut jouer avec la souris donc en vrai ça peut être sympa. On fera sûrement ça je pense, petit Phantom Hourglass. Bah j'ai jamais fini non plus je crois. Donc c'est pour ça en vrai ça peut être un bon plan. Bah, j'avais pas besoin de faire ça. C'est vrai, c'est bien. Pas ici. En tout cas, il me manque deux Kusinos ici. Hein. Bon. Ah, mais attends, mais faut pas que je refasse les mini-jeux. Peut-être que je refasse le mini-jeu. On va voir. C'était là le mini-jeu? Non, c'était là-bas, je crois. Ouais. Peut-être le mini-jeu qu'il faut que je refasse. Bah Phantom Hourglass c'est un peu un... C'est dans la lignée de Wind Waker si tu veux, mais du coup c'était sorti sur DS. Après c'est pas vraiment Wind Waker mais c'est un peu le même fil. Après faut voir. Parce que pour l'instant j'ai ça en tête, ça se trouve j'aurais envie de changer au dernier moment mais... Pour l'instant on est là. En fait s'il n'y a pas d'intérêt j'ai pas envie en fait. S'il n'y a pas d'intérêt à jouer avec eux, je sais pas pourquoi je jouerai avec eux en fait. Après il y a déjà eu deux Kusinos ici. Bon, là-haut peut-être. Comment j'ai pu rater deux Kusinos? Comment j'ai pu rater deux Kusinos? Sur la console, c'est Mario Luigi sur 3DS. On va faire ça. Ouais. Oh, les crits. Voilà. Let's go. Ça donne beaucoup d'XP les fleurs. J'avais oublié. Bon, c'est pas ici. Deux Kusinos? Est-ce que j'ai pu rater deux Kusinos? Ouais, si c'était qu'un seul, bon. Mais deux Kusinos? Où est-ce que j'ai raté deux Kusinos? Ça, je l'ai fait du coup. Non, j'ai pas fait ça.
Ici en vrai ça semblerait pas trop déconnant, mais j'ai pas déjà sauvé un Cousinus ici. Non, y'a rien ici. Y'a rien ici. Après, dans tout ce qui est grotte et tout après, il me semble me souvenir qu'il y avait rien d'autre. Donc, c'est peut-être au début. Peut-être au début de la map. Bon, faut voir. Je vais peut-être aller faire le début de la map avant ça. Parce que ça, on l'avait pas mal farmé. Donc, je vais quand même aller fouiller dans d'autres zones s'il n'y a pas d'autres Cousinus. Parce que le but, c'est pas non plus le 100% absolu, c'est sûr, mais au moins faire le 100% Cousinus, quoi. Salut Kalyan. Donc après la question ce serait, est-ce que c'est possible que ça soit... Est-ce que c'est possible que ça soit genre un... Le mini-jeu, ou est-ce que c'est vraiment des Cousinus plantés là que j'ai pas... Est-ce que c'est vraiment des Cousinus qui sont plantés là que j'ai pas vu quoi? Les deux solutions sont possibles, ça le truc. Parce que là-haut, y'a rien. Bah ici, j'y suis monté forcément, puisque bah c'est par là qu'il fallait passer. Ouais, donc y'a rien ici. Où est-ce que j'ai pu rater du Cousinus, moi? Ah! Ici. Ok, déjà un. C'est le Dark. Déjà un Cousinus que j'avais pas fait. Là, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être des pierres à péter, ouais, où il y a des... Il peut y avoir des Cousinus en dessous. M'étonnerais pas trop. It's me, Ryan Reynolds. Hop là. Bah non, mais c'est con ce que j'ai fait. Bah non mais non j'ai pas mis. Oh, perdre de temps mon gars. Ah. Chi. Et j'y. Bon on va attendre. Voilà. Hop là. Hop là. Ça va le faire. On fait le jump perfect. Oh, c'était large en vrai, c'était large. Quand trésor d'X. C'est pas genre tu trouves plus de trésors en butant les mobs. Cousinus sauvé 50. Bon, techniquement il m'en reste plus que 2. Dont un dans cette zone. Après il reste une dernière zone que j'ai pas encore faite, du coup qu'on va débloquer possiblement après. Qui sera, je pense, le château de Phobieux et de Bowser, qui sera une zone à part entière. Mais faut voir après ouais, comment ça va se dérouler, surtout combien il y a de Cousinus là-dedans, quoi. Je pense qu'il n'y en aura qu'un seul. Ah, merci. J'ai été pétrifié par le fragment de cauchemar, oui. Je me demande si les autres ont aussi été pétrifiés. Oui. Oui, mais ils ont été sauvés également par votre audio choc. Collection Cousinus, est-ce qu'on a la... Non, on n'a pas encore la dernière zone. Vous voyez, il reste encore une zone. Et bah, soit il n'en reste qu'un seul du coup et c'est good, soit la dernière zone a beaucoup de Cousinus à sauver et du coup il en reste des milliards. Donc bon, on verra bien. Et pour le moment, il faut juste que je termine de sauver ceux d'ici. Déjà on en a trouvé un, c'est cool. Maintenant faut que je trouve le dernier. Oh, c'est pas... Oh bah... Ah bah non, c'est pas ça.
Bah déjà ça c'est bien. C'est ça qu'il y a les photos aussi. J'aurais pu faire les photos, il y a plein de trucs que j'aurais pu faire mais... Après c'est du détail quoi. Non. Il y a pas de coussinos là-dedans. Non. Ouais. Y'a quoi là-haut? Y'a le bloc que j'avais déjà pris. Ouais les puzzles, ouais j'ai pas fait les puzzles. Après les puzzles ils sont pas durs à faire, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Et j'ai pas l'impression que ça débloque des choses intéressantes. Peut-être seulement si tu fais le niveau 1. Après le reste on s'en fout. Et ouais sinon... Ah attends, comment ça? Ça c'est un raccourci juste, ouais. C'est pas impossible que ça soit juste avant, dans la zone de poison là. Ça se trouve c'est une petite plateforme que j'ai pas fait gaffe. Salut Perlin. C'est dur de rien dire sur l'emplacement. Eh bah... Je sais que c'est dur mais si vous survivez à cette épreuve vous serez... Vous en sortirez grandi. Vous en sortirez grandi. Ça j'ai déjà fait il me semble. Ouais. Donc c'est pas ici. Oh. En fait, surtout la question qui me taraude plutôt. C'est dans quelle zone c'est? Parce que là, c'est surtout la zone qui me manque. Je suis sûrement déjà passé dans la zone, quoi. C'est ça le truc. De toute façon, là, on est au début, et ouais, on a beau être au début, je vois pas de. Ouais, y'a rien, quoi. Ça va le faire. Faut juste que j'arrive à trouver la zone. Ça se trouve la zone est très simple. Faut que je trouve laquelle c'est. Quoi? Tac. Merci Omega Thunder pour le 27ème mois. Merci beaucoup Omega Thunder. Donc t'as Mario Luigi Partner in Time après. Pas après directement mais plus tard oui. Je ferai pas directement après. Mais oui je le ferai un jour. Bon c'est forcément à la fin du coup puisque bon on a beau être là y'a rien. Donc ça va être sûrement à la fin. C'est le simple gamer. Ma pauvre petite Lilith qui fait la malheureuse. Hop là. Partner in Time est le pire de la série. Bah c'est pas... Oh bah tu sais, ça dépend de la vie de tout le monde hein, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit au contraire que c'était leur préféré hein. Donc bon. Ouais, c'est au goût de tout le monde hein. Certains trouvent que c'est le meilleur, d'autres trouvent que c'est le pire, c'est... Ça dépend des gens hein. Partner in Time Banger, tu vois, bah là par exemple, hein, là vraiment on a eu un message puis l'autre. C'est voilà, deux avis différents, ouais. Après, c'est pas parce qu'ils l'ont pas remake que c'est pas un bon jeu. Tu sais, malheureusement, ils font pas forcément les remakes des meilleurs jeux, hein. Il faut les remakes des jeux qui sont peut-être le plus vendus. Ou des. Ouais. Pas forcément, ils font peut-être pas des remakes de tous les jeux quoi. Un remake ça veut rien dire en général. Donc, par exemple Mario Sunshine c'est un très bon, c'est un jeu incroyable et pourtant il n'y a jamais eu de remake. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Oui parce que l'export sur Switch c'est pas un remake hein. Oh, t'as des conneries. Bon du coup là c'est forcément pas ici puisque bah on l'a eu. Donc c'est forcément après. Hop là.
T'as pas vu ce que faisaient les gants. Bah je pense... C'est aussi simple que ça? Putain, ah, la tristesse. Oui, les gants trésors, oui, c'est juste que bah, les mobs ont plus de chances de dropper des mobs, des trucs, voilà. Au moins que les chances d'obtenir un cadeau lorsque l'un des ennemis est vaincu, c'est ça. C'est pas fou. La tristesse, il est juste là, vraiment. Et pourquoi je l'avais pas fait la dernière fois? Je sais pas. Bon bah, au moins on a trouvé rapidement. Ah, en vrai, rapidement, ça va, en 15 minutes, on a trouvé ce qui me manquait. Donc ça va. Ça va. Ça a pas été trop long. Let's go! Allez, c'est parti! Pas une petite graine dorée là qui traîne quelque part là? Petite graine dorée en vrai. Hop là! Hop là! C'est bon, ils sont tous armes? Ouais. On va au Sunshine Dome, hein, Galaxy 3. Ça va pas malheureusement. Hein, Pour l'instant ils font un film, ils ont pas le temps. Hein. Ah, j'ai vu une vidéo d'ailleurs d'un mec qui a refait le trailer mais en mettant une voix la voix de Charles Martinet sur le Mario mais en version avec une IA qui fait à sa place. En vrai ça rend trop bien. C'est vraiment Mario qui parle comme dans les jeux, dans le trailer, c'est très drôle. Mais c'est vrai que du coup ça rend pas forcément... ça rend pas forcément si bien. Ça rend bien mais ça rend pas forcément si bien. Pour un film en tout cas, ouais. Mais bon. Et du coup je suis tombé hein, évidemment, au bout d'un moment, fallait bien tomber dessus. Sur le trailer en français. C'est vrai que les voix françaises sont très très bien. Et j'ai vu plein de gens disaient que La version FR était vraiment bien. Elle était vraiment bien doublée. Ça fait plaisir en vrai. C'est plaisir de voir qu'une version française a l'air d'être pas mal. C'est curieux. C'est curieux en vrai. Ça donne envie de voir comment est-ce que ça va rendre. Même si en soi le film m'intéresse un peu. Enfin peu quoi. Voilà. Ah mais où suis-je? Mais qu'est-ce que je fais juste là? J'ai aucun souvenir. Hein? Je vais de vous ici. Vous dites que j'étais prisonnier d'un fragment de cauchemar? Et sauvé? Ça me dit rien du tout. Mais merci quand même. Voilà. Donc là si on regarde la collection, Cousinos, on est nickel partout. Il manquera plus que cette fameuse zone secrète qui je pense est le château. Après il y, ouais, y a les défis que j'ai pas fait. J'ai pas fait tous les défis malheureusement parce que certains sont pas très drôles à faire. Il en reste encore quelques-uns à faire hein, puisque bah, il reste tout le château je pense. Il reste tout le château. Niveau des fèves. Niveau des fèves j'en ai raté pas mal. Hein. Mais je pense peut-être pas m'amuser à farmer les... fèves. Pas que ça va foutre. Ouais c'est toujours pratique hein. Mais bon, là l'objectif, là le truc c'est vraiment tu regardes le sol, dès qu'il y a une 3 c'est gagné quoi. Donc bon c'est pas le truc le plus fun à faire. Ah mais t'as raison. T'as bien raison. Là si j'y vais c'est peut-être avec des potes quoi. Mais bon. C'est pas un film où je me dis oh putain faut que j'aille au ciné. Peu importe si je suis tout seul ou pas, m'en fous. Donc bon. On est écrite là. Écrite. Mais c'est putain, mais catastrophique cette carapace. Je sais c'est un bon jeu mais ça vaut pas un bon Galaxy of Sunshine. Ah après tu sais la nostalgie peut prendre le dessus par rapport à ça. Hein. Odyssey est un très 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 bon jeu. Hein. Après, faut voir si tu dis ça vraiment, si c'est vrai ou si c'est juste la nostalgie qui parle quoi. C'est surtout ça le truc. Après ça Romu hein, on est ensemble hein. Mais après toi Romu ça te dérange pas d'aller, si ça te dérange pas d'aller tout seul, go. Moi je t'avoue qu'aller au ciné tout seul, bon je vois pas l'intérêt quoi.
Autant attendre et aller le voir en... Le voir quand il sort... Quand il sort en DVD. Tac 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 tac. Merde. Odyssey 2 a plus de potentiel que Galaxy 3 ou Sunshine 2. Après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire un Odyssey 2? Je pense qu'en standalone, enfin en standalone, en version simple comme ça, c'est bien. Hein. Un Odyssey 2, justement, ce serait trop, je pense. Ce serait vraiment de trop. Ils auraient dû mettre un deuxième tuyau en or dans la forêt parce que j'avoue que du coup moi, depuis tout à l'heure ah bah tiens. Ah bon Fibou, bien sûr. J'avais fait quoi comme voix à Morphibou, je m'en souviens plus. J'ai observé le château dont vous avez parlé. D'accord, mais... Du coup... C'est comme vous l'avez décrit. Nous devons nous y rendre d'être la barrière qui le protège. Très bien, Mario, Luigi, en avant. Êtes-vous prêts? Oui. Très bien, allons-y. Dans les cieux! Qu'est-ce que c'est? Oh, la musique de Layton! Ah, le voici, le château de Bowser! Donc il reste, c'est la dernière zone du coup. Ouais. Bien sûr. C'est quoi ça? Eh chier, Boogie en approche. C'est un oiseau. Négatif, ça ressemble plutôt à une patate volante. Eh mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un de ces cochons volants. Eh négatif, soldat, et confirmation sur la boule de plume. Tiens. C'est bien, chamouraï. Ouah. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je ne me sens plus fâché. Ils ont provoqué Morphibou, et Morphibou est maintenant enragé. Seule la destruction de cette barrière pourra assouvir ma soif de vengeance. L'apocalypse approche, ses ailes battent en l'air. Soutenez son regard de braise, tremblez devant le rayon de l'éveil. Oh la 3D. Oh la 3D. Mais attendez, je vais faire un full screen, là. Rayon magie, réveil! Ça aurait été marrant que ça fasse... Ça fait rien. Et boum! Waouh. Bah il a traversé le château. Voilà, fin du château. Clac. Non, pas miaou. Bah non, c'est un château qui explose. Ah, et du coup il va tomber là. Ouais d'accord, je vois où ça. Je vois où il va tomber. Aïe. Ah, étanché. Évacuation. Voilà, c'était sûr qu'il allait tomber là. Et bah la dernière zone est accessible. Eh oui. Bien joué. Impressionnant comment vous avez détruit cette barrière solide. Veuillez recevoir nos remerciements les plus sincères, Grand Morphibou. Ouais, c'était pas simple.
Je pensais pas qu'il serait si difficile de lancer le rayon de l'éveil. Faut que je fasse un peu d'exercice. Je crois que le château de Bowser s'est écrasé tout près ici. Ici, maintenant. Oh, portez vos pieds vers cette direction et vous infiltrerez dans le château. Ma bande de votre destinée, elle est entre vos mains maintenant. Ouais. Mon travail ici est accompli. Hein. Et j'attends mon paiement. Pouh. Oh, je suis désolé, je me repose un instant. Bien entendu, nous nous occupons du reste. Hop, hop. Nous pouvons nous introduire dans le château de Bowser. On a enfin Bowser et Sega à côté de Richard. Il va regretter d'avoir essayé de conquérir le monde. En effet, Mario, Luigi, en avant. Commerce. Ah. Qu'est-ce que c'était? Est-il vraiment en train d'ouvrir une boutique devant le château de Bowser? Impressionnant. Bah, j'en avais besoin en plus, donc c'est parfait. Comme quoi, le timing est bon. Et donc là, du coup, on a débloqué la dernière zone qui va nous dire combien il y a de coussins. Non, pas encore. Faut qu'on y aille d'abord. Oh la musique! Oh la musique! Ah bah tiens, y a un coussinos là. Ah, finalement, nous y voilà! Il ne semble pas garder. Allez, dépêchons-nous, ne faites qu'un prudence. Oh la musique par contre. Ah, elle est bien la musique. Et là, tu vas me le dire combien il en reste. Un seul. Eh bah, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que nous avons terminé les coussinos puisque le dernier est juste ici en fait. Eh ouais. Du coup, on a terminé les coussinos. C'est déjà une bonne nouvelle. Ah, ils ont pas fait une musique onirique pour la zone. Bon, attends, y en a qu'un seul coussinos, donc forcément. Mais donc, quoi? Ah, il y a quand même 5 fragments, le con. Hein. Ça se voit que c'est le dernier. Hein. Ah, mais ils sont tous là. D'accord. D'accord. Ah, mais de base, faut utiliser la boule. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Ouais. Non. Bah ça va, justement, j'ai pas fait gaffe. Yeet. Ah ouais. Ouais. Non, ça tape pas. Ah ouais. Let's go. Le dernier coussinos. Let's go. Coussinos sauvé 52. Et voilà. Une belle chose de faite ça. Ah. On en a fini avec les coussinos. Oh, cette musique. La musique est trop bien. Où suis-je? Et c'est quoi ce gros immeuble? Pourquoi je me tiens ici? Et qui a construit un château aussi laid? Vous savez à qui a construit ce château? Il y a l'exposition au château laid? Tous les coussinos ont été sauvés. Nous avons une dette envers vous, Mario et Luigi. Allons au parc Lef Champi pour un famille très vieux. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, très vieux, donne-moi le Saint Graal. Donne-moi le Saint Graal maintenant. Bon, ça vient faire ces conneries. J'ai sauvé tous vos coussinos de mes deux là. La population est revenue grâce à moi, donc maintenant faut me récompenser comme il se doit. Je peux t'aider, petit gars. Les coussinos que vous avez sauvés, alors voyons ça. Et tous les deux, vous avez sauvé 52 coussinos.
Mais pardon, mais c'est ce que c'est vrai. Vous avez secouru tous les coussinos prisonniers. Oh, je savais que vous n'auriez point de repos avant de vous avoir tous sauvés. Mario, Luigi, vous avez ma gratitude éternelle. Vous avez obtenu une place permanente parmi notre peuple. Très vieux, nous devons récompenser ces braves héros. Donne-moi son 2 par contre, c'est un truc, hein. Oh, laisse-moi m'en charger, mon prince. Par contre, il y a trop de gens ici. Veuillez me suivre. Quoi? Laissez-moi vous offrir quelque chose pour avoir sauvé tous les coussinos. C'est la meilleure récompense que je puisse donner. Youhou! Morphe! Ouais. D'accord. Sage très vieux. C'était. Ridicule. C'est quoi? Mon jeune très vie! Qui est-ce? Il est ici! Mort! Morphez-vous! Ah, ok. Ah, mon vieil ami, cela fait bien longtemps. Pourquoi m'as-tu invoqué? Morphy, ça fait des années, des poussières. Tu m'as l'air en forme, mon petit gars. Oh la vache. En tout cas, je t'appelle car j'ai des bonnes nouvelles. Ces deux frères ont sauvé tout le peuple Coussinos. Ah, ça fait plaisir, mon pote. Ça fait plaisir à nous deux, en tout cas. Ils méritent une récompense digne de leurs actes. Je pensais que tu pourrais les aider dans leur combat. Ah, attends, on va avoir une attaque frère ou il va y avoir Morphibou? Puisque tu le demandes, Trévi, je t'offre mes services. Même si je suis occupé, et que ça m'ennuie un peu, mais je ferai de mon mieux. Ah, pour invoquer Morphibou, utilisez ceci. Oh, let's go. On a une attaque avec Morphibou, incroyable. C'est vrai que c'est une belle attaque. Enfin, c'est un beau bonus, mais j'aurais préféré un marteau. Pousser le pad circulaire vers la gauche ou la droite pour aligner Morphibou et leur béveille. D'accord. Tu veux essayer? Ouais, je vais essayer moi-même en fait. Non mais... Ah! Je vais essayer moi-même! Voilà, c'est bon. Alors est-ce que c'est de l'abus? Là est la question, est-ce que c'est de l'abus? Alors je sais pas si j'ai... Bah c'est pas... Non c'était pas excellent, j'ai pas compris ce que je devais faire du coup. Tu es d'accord qu'il faut que je m'aligne avec l'orbe et il faut que je les rattrape derrière. Attends. En fait faut aligner pour que Mario et Luigi saute, et ensuite faut les rattraper. Ah oui c'est ça. Ah ouais, en vrai, c'est tellement simple. Attends, mais moi, pourquoi il dit non depuis tout à l'heure? Ah, mais je suis trop con. D'accord. D'accord, je suis trop con, en fait. Je suis trop con. Ah, mais oui, d'accord. En vrai, il donne pas toutes les infos, je suis désolé, mais il donne pas toutes les infos. Hein. Il se dit juste faut s'aligner. Hein. Bon, bref. Bon, je m'en fais d'essayer. Non, mais hé! Regardez! Ah oui, non, c'est vrai que. Oui. Non, mais c'était pas bien expliqué. Donc, je dois le demander, très vieux. Quelle est votre relation entre vous deux? Quoi, moi et Morphy? Oh, on est juste de vieux copains! On allait boire du thé ensemble de temps en temps. Vous voulez dire, vous et Morphibou, vous vous teniez ensemble? Très vieux, je suis impressionné, vous êtes une vraie célébrité. Ah, ça va, pas obligé de... Tous les Coussinos ont été sauvés, mais notre monde est encore en danger. Oui. J'y vais. Ça va. J'ai miss. On n'a pas le droit de miss? Ah bah.
Mauvaise foi. Mais c'est pas une mauvaise foi, c'est juste que j'ai raté le truc, c'est pas grave. Oh la vache. Oh le con. Ça, le complot politique, à chaque fois que j'oublie un truc, là c'est bon là. Oh. Ah bonjour. Bienvenue dans notre nouveau Mission Château. On imagine que vous êtes dans le coin, vous êtes désespéré. Et les clients désespérés sont synonymes de méga profit. Ah ça a coûté giga cher non? Oh ça va. Trop cher. De toute façon, on voit par la mauvaise foi, y'a pas grand chose d'autre, non bon. Parce que vraiment, faut que je débatte avec vous. Oh, redonne des PV à chaque fois que tu causes des dégâts à des ennemis. Oh bah, j'ai. Oh, quand même. Un habit blendé. En vrai, un habit étoilé. Mais ça donne de la moustache en plus, l'habit étoilé. Enfin, ça donne des. Oh bah. Bah, attends. Ah ça c'est ma vitesse, et ma puissance mais bon. Ça baisse beaucoup ma... Ouais bah c'est pas grave, t'achète. T'as aussi une mauvaise foi, il y a aussi le karma. Bah non. T'amènes parfois le tour d'attaque des ennemis ayant reçu trop de dégâts. Bah ouais. Et ça c'est le même stat que les bots air sol. C'est quoi déjà le marteau simple DX, j'ai oublié. Ah oui, c'est augmenté. Oui, bah vas-y. Hop, voilà. Puis les bottes étoilées, on va peut-être pas les mettre puisqu'on va garder l'XP. On va l'acheter, mais on va pas l'équiper. Voilà, putain. Voilà. Allez, c'est parti. Château de Bowser et de Faubieux. Dernière zone du jeu, techniquement. Ah, ça fait du bien. Bon, le château s'est écrasé. Eh, mais Bowser n'avait pas l'air de trop s'en faire, en plus. Peu importe. On repose à côté de cette vigne, c'est génial. On dirait qu'on aspire la fatigue. Regarde, ça aspire la fatigue. Ouais, mais c'est quoi l'affaire avec ces vignes, au juste? Je veux dire, ouais, elles sont géniales et tout, mais... Eh bien, d'accord, elles sont suspectes. Eh, le gars, il a droit de se demander... Et quel genre d'énergie ça y circule, c'est pas clair. Écoute mon gars, on est petits soldats, on nous explique jamais rien nous. Ouais, des soldats, vous vous souvenez du temps où on était l'équipe d'élite? Le bon vieux temps. Mais Mario! Eh, château a été infiltré! Zut! On passe peut-être le balai maintenant, mais on va vous le passer avec votre... Ouais. Eh ok les gars, c'est le moment technique spécial! Technique fatale de retraite. Bah alors les bébous, salut Malo. Ah oui, hip. Je sais qu'ils ont des méchants, mais je peux pas m'empêcher d'admirer leur vitesse de course. Maintenant que nous sommes dans l'enceinte, j'imagine qu'il y aura encore plus de gardes. Mario, Luigi, une grande respiration, trouvez votre paix intérieure. Bah, tranquille, hein, y a pas de mal, hein. Bon, du coup, pas de coussinus à trouver ici. Par contre, il y a... Attends. Par contre, ça... Non. Fallait s'y attendre. T'as plus de carte graphique? Comment ça, à la Kramed? Elle a rendu l'âme, ça y est. On peut rien y faire de ça? Non. Bon, je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais en tout cas pour nous ça sert à rien. Ok. Oh, un accueil chaleureux au... Ouais. Ah oui, c'est lui. Alors, vous avez fait tout ce chemin uniquement pour vous faire démolir? Je dois admettre que ça fait tomber ce château. Quoi? Faire tomber ce château était un beau coup, mais c'était plus de la chance qu'autre chose. À partir de maintenant, je crois que vous verrez que les choses ont tourné pour le pire des pires. Oh non, mec, t'as... Oh non, il a fait une porte.
Et les chemins entre les pièces se sont tous mélangés. Vous pourrez rester dans cette pièce pour le reste de votre misérable vie. Il y a quand même une attaque que le frère a récupérée, hein. C'est quand même fou cette histoire. Attends. Okamek est pas ici. Oh, le monde des cauchemars. Qui? Je suis la seule personne qui puisse vous faire sortir d'ici et vous ne me rattraperez jamais. Et pendant que vous souffrirez, je crois que vous regretterez d'avoir engendré le gourou de Bowser. Oh, ils vont dans le monde des cauchemars, incroyable. Un nouveau monde s'offre à nous. Incroyable. Kamek s'est enfui dans le monde de Nirik. Putain, mais pourquoi la voile est pas bonne? C'est juste connerie. Nous devons réussir à atteindre cet endroit. Si Luigi peut y dormir, nous pourrons suivre Kamek. Mais d'abord, nous devons nous occuper de cette cage. Il doit y avoir un bouton tout près d'ici. Ouais, mais bah du coup, attends, mais pourquoi il a pas... Oh, lightbox. Oh, lightbox. D'accord. Oh, t'es sérieux? Hop. Ouf. La moitié mort, dès que je lui en demande trop, c'est le fameux écran bleu. Ah oui. Ah oui. Alors écoute, la mise à jour est pas folle, hein. Écoute. Pour y passer beaucoup de temps, elle est pas folle, la mise à jour. Hein. Ouais, c'est pas du tout 3 jours que je joue qu'à ça et que j'arrive pas à faire autre chose. Mais tranquille. Oh non, 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 non. Attends, on attend de buter. Ça compte comme imperfect? Non. J'ai ma réponse. Oh, ici, nous l'avons trouvé! Ça doit être le bouton! C'est surtout un bloc machin. Mais le mur de la cage est trop haut, aucune chance de qu'on s'y rende. On a trouvé une entrée de l'autre côté. Allons-y. Eh mais ce bloc là t'en parles pas? Ah. Ok. Donc faut aller de l'autre côté pour aller ici. Non mais Malo, le jeu est très bien. C'est juste comme dit que c'est devenu un peu une drogue quoi. Et encore je fais même pas de ranked moi encore. Mais juste jouer en normal, ça j'aime trop. C'est plus dans ce sens-là, quoi. Ok. Très bien. Ah. Ah oui. M'attendez pas à ça. Hop là. Et dès qu'on va se prendre la boule de feu du coup. Et je prépare le marteau. J'ai un peu trop préparé le marteau. Un peu trop préparé le marteau. Tain, tain, tain. Bah du coup techniquement oui, j'en ai vu un et l'autre du coup ça va me dire ça. Ouais, ouais, ouais. Logique. Logique. Donc si je vais là, hop, j'arrive à côté. C'est ça. Ça va le faire. Mais comment ça j'étais... Mais j'ai sauté. Mais comment ça? J'ai pas le bon timing.
Hop là. Bah aujourd'hui j'ai testé de jouer Echo. Je savais jamais jouer Echo. Et le gameplay est trop bien. J'aime trop le gameplay de Echo. Et après oui, je toujours Widow. Hein. Toujours. Hein. Bon, ça devient compliqué cette histoire. Donc ouais, j'ai commencé à jouer Echo aujourd'hui. C'est sympa à jouer, j'aime bien. Un peu casser la gueule, moi. Hein. Oh, j'ai oublié de racheter des champis, quel con, c'est ça que je devais racheter. J'aurais dû racheter des champis. Bon, je ressors du château pour aller acheter des champis, mais je crois que c'est un peu trop tard. Hein. Je peux jouer sur Switch. Ah, Overwatch 2, ouais, il est sorti aujourd'hui, je crois. Justement, qu'il est sorti aujourd'hui. Ah! Ah! Intéressant. Alors pourquoi faut aller sous... Peut-être pour l'instant ça sert à rien, ça servira plus tard. Là si je vais là, hop j'arrive ici, très bien. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû juste redescendre pour aller à la boutique. Le jeu est vraiment bien. Pourquoi je mentirais, Chaburai? Du coup, vraie question. Pourquoi je mentirais du coup? Bizarre. Ok, les crits. Oh, mon temps de réaction est nul à chier. Ok. Après ça plaît pas forcément à tout le monde hein, oubliez pas que... C'est pas parce que un jeu plaît à quelqu'un qui va plaire à tout le monde hein, c'est... C'est un détail important aussi hein. Bon faut juste que j'aille à la boutique chercher des champignons parce que j'en ai plus. On va prendre de tout comme ça au moins. Par contre y'a des trucs sur les côtés là, à l'entrée. Je suis pas allé. Des tuyaux, je pense. Hop. Voilà. Arachide miracle, on va en acheter 7. Et des ultra arachides, on va en acheter 18. Voilà. Sirop, on va prendre 4 petits sirops extrêmes, on va prendre des sirops ultra, voilà. Des champignons XXL, on va en acheter, voilà. Et c'est tout. Bon, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. Non, c'est bon. Merci. Du coup, il y a des chemins sur les côtés, je sais pas ce que c'est, ouais. Vous pouvez voir ce que c'est ou genre c'est une connerie d'y aller. Ah ok, allez. Au moins j'ai ma réponse. Bon, allez on monte. En tout cas, aller là, ça amène où d'aller ici? Ok. C'est littéralement l'inverse. Ah, quand le jeu est fini, Malo. Dès qu'on a terminé le jeu là. Bon je sais pas quand on l'a fini. On va voir combien de temps il me reste à faire dans le jeu mais je pense que... Alors, je pense qu'on a jusqu'à 21h-22h oui. Je pense.
Oh, Shadowbin, bonne question. Bonne question. Ça. Moi, j'aurais dit la dissertation. En général, t'as juste du beaucoup de blabla à faire et ça passe. Après, commentaire de texte, faut voir ce que c'est, faut voir ce que c'est comme texte. Hein. Putain, merci de cette info, je l'avais pas. Heureusement qu'ils m'ont donné l'info, je l'avais pas. D'accord. Ok. Oh, sérieux. En général, les dissertations, c'est plus simple, parce que dissertation... Tu prends le sujet, premier paragraphe, si c'est une question, premier paragraphe oui, deuxième paragraphe non, troisième paragraphe oui, non, et conclusion. En général, c'est ça. Pour, contre, et conclusion. Enfin, ça dépend ce que c'est la dissertation, mais non. Il faut voir dans quel truc t'es le plus à l'aise, hein. Il y a ça aussi, hein. Après, commentaire de texte, non, en général, c'est pas dur non plus, mais... En fait, si t'aimes bien écrire, je dirais dissertation. Si t'as la flemme de faire une copie double, bah tu prends le commentaire de texte. Ah, vache. Oh, putain, mais pourquoi ? Let's go. C'est en hauteur, ça. Il y a plein de petites îles sur les côtés, faut quand même que je fasse gaffe à ça. Merci de cette info, je l'avais pas. Ça régale en vrai. En revanche, ils m'ont donné cette info parce que je l'avais pas. Hein. Ah, par contre, attends, il y a. Ah non, mais là-bas, j'y suis déjà allé, je crois. Ouais, j'y suis déjà allé ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-haut? Ici, il n'y a pas de magie, donc on monte direct. Ok. Ok, il y a des anneaux... Ah, c'est ce truc-là. Allez. Nice! Ok, c'est ça qu'il nous faut. Très bien, on a l'info. Oups. Luigi was too short. Oh les bâtards. Ils ont mis une petite esquive à la fin, les salauds. Tout ça pour un hyper champi. Un peu mal au cul quand même. D'accord, bon faut pas y aller. Bravo les boys. Très bien. Il y a encore cette terre bizarre là, je sais toujours pas à quoi ça va servir mais bon. Bon là. Deux fois d'ailleurs. Il y a rien sous terre.
Donc là, faut que j'aille ici. Oui, bien sûr, bien sûr. À aucun moment j'en ai douté. À aucun moment j'ai douté de ça. Ça touche. Nice. Enfin un combat où je prends pas de dégâts. C'est quand même... Putain, c'est... Waouh. Waouh. Enfin un combat où j'ai pas pris de dégâts. Et ça, c'est beau. Oh vache. C'était dur, hein. J'aime autant galérer. Oula, oula. Oula, ça sent... Ça sent un peu l'arnaque, c'est... Oh, j'ai tenté, hein. En vrai, si tu vas en tornade ici, c'est tranquille, en vrai. Oui. Let's go. Ah, c'est la zone du méchant ici. Ah ouais. Putain, j'aurais jamais cru. Oh, la musique est turbo chill là. Pour ça, c'est la zone du méchant. Non, en vrai, vous mentez, je pense. Non, pour moi, c'est une zone mignonne, ça. Regarde, enfin, ça a pas une tête de zone méchante, en fait. Bon, ça va. Moi, je trouve ça va, en vrai. Hein. Ah putain, mais c'est le véhicule, enfin c'est le truc de Bowser Junior. J'avais jamais fait gaffe. Eh bah, monde onirique, hein. On est d'accord que là-haut, il y a une croix, donc faut vraiment pas y aller, quoi. Vous savez, j'aime le risque. Allons-y. Bah, du coup, j'ai tout fait là-dedans, hein. Ouais. Eh bah, monde onirique, c'est parti. Eh bah, enfin, nous pouvons aller dans le monde onirique. T'avais qu'à là, quelque part, retrouvons-le, et vite. On va faire un combat de boss contre Kamek dans le monde onirique. Quel taf. Le rond bleu. Non, le rond bleu, c'était pas utile, je crois. Oh l'ambiance de fou. Ça c'est une belle ambiance. Ça, c'est une très très belle ambiance. Ramène ton petit cul. Ça, c'est un bon début, ça. Ça, c'est un bon début, ça. Ah, est-ce qu'on milk pas un peu l'XP là? Vas-y, on va milk. Tant que je fais pas trop de conneries, on peut milker pas mal. Oh, c'est ce qui s'appelle se prendre une base en... Par pas. Merde. Oui. It's time to milk it. Alors en gros, si vous voulez, sur Mario, j'ai des bots qui font que à chaque fois que je fais des dégâts avec les bots, je gagne plus d'XP. Et vu que ça, c'est un mob qui donne beaucoup d'XP, bah c'est incroyable. $7200 d'XP. Putain, merde. À la base, c'est 4800, hein. Mais juste avec les bots, on est monté à 7002. Ah, ça régale, ça.
Ah, mais on est là pour ça, hein. Après, il manque encore deux niveaux pour avoir le rang arc-en-ciel, hein. Donc en vrai, si je peux les avoir, je dirais pas non, parce qu'en plus, on peut avoir des items pas mal dans le shop arc-en-ciel. Qui était à l'édo de mer, je crois. Donc en vrai, dans deux niveaux, je peux avoir des items de fou. Mais bon, faut que je prenne deux niveaux, quoi. Donc si on peut croiser encore plus de petites graines comme ça, moi je dis oui. La profondeur. C'est navrant. Ah, ça va péter. Ah, il veut pas. Quoi? Mais c'est trop dur. Oh c'est salaud de fou. Oh c'est salaud de fou en vrai. Voilà. C'est très très bizarre quand même comme combat. C'est très bizarre comme combat. Ok. Non mais oui. Donc s'il saute un petit peu avant, ça veut dire qu'il sautera après. C'est le premier combat, on apprend. Bon là en vrai j'ai bien pas mal milké quand même, hein. Là à mon avis, si on prend pas beaucoup d'XP, je comprends pas, hein. J'ai pas mal milké quand même, hein. Ouais, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. C'est-à-dire que ça donne pas beaucoup d'XP cette connerie. Graine en or direct. Non, ça c'est Kamek ça. Hop là. Let's go. Non mais c'est horrible. Mais pardon. Qu'est-ce que c'est ce combat de fou là? Qu'est-ce que c'est ce combat de malade? Marteau? Non. C'est vraiment de la merde de marteau, hein. Ok. On continue le marteau, hein. Oh non, ils sont tous pétés. Ah nice. Ils sont tous pétés. Ah mais c'est vrai qu'ils font l'inverse, bordel. Mais oui, ils font l'inverse. Putain. Quand ils sont comme ça, ils font l'inverse de ce qu'ils font normalement. Secours. Mais non, c'est plus qu'un. Insupportable comme combat, faut être honnête. C'est très chiant comme combat. J'aime pas. Je n'aime pas trop ce. Ah, mais bon. Il y en avait autant que ça de plus. Ah. Ah, le combat est long en plus.
chier, hein. Hop. Ok. Merci Azra pour le 16e mois. Merci beaucoup Azra. Le temps passe vite, time fly. C'est vrai. C'est vrai. Oh non non, pas ça, pas ça, pas ça, non. C'est impossible de pas prendre de dégâts en fait là-dessus. Hein. C'est impossible. Hein. Impossible. Enfin, il doit y avoir sûrement une technique, mais je sais pas ce que c'est. Boum! Comment ça, génial? Ok. Bon. Oh, sa mère! Ouais bon, si on peut éviter ces combats là, je vais les éviter hein. Ce sera mieux. Parce que là vraiment c'est insupportable mon combat. C'est insupportable. Voilà. Ouais, ouais, on va, ouais. Si on peut éviter ces combats, on dégage. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est plus aucun doute. Plus aucun doute. Alors attends, ça ressemble à quoi du coup? Ok. Donc si je vais là, j'arrive. Ok, classique. C'est quoi ça? Regardez un autre mécanisme magique. Je peux vous éclairer si vous avez des questions. Le lit flotte. Hé hey, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh. C'est... Attendez, où est passée la gravité? Mario, peux-tu bouger? Oh putain... On dirait qu'il est juste possible de changer la direction avec le pas circulaire. Et nager, tu peux faire ça? Oh oui, c'est trop bien. Oh, c'est incroyable. Oh, nager dans les airs, très fascinant. Même si ça paraît bizarre, relax, reste souple et continuons. Oh, c'est trop bien. C'est très bizarre par contre à utiliser. C'est très bizarre à utiliser par contre. Dommage qu'il n'y ait pas d'effet du côté de Luigi. Ok. Oh, on va tellement vite. C'est, par contre, c'est très dur à contrôler, ouais. C'est très très dur à contrôler. Ok. Ah, du coup, maintenant, il peut avoir des grandes salles vides maintenant. Le bonheur de tous les... Les développeurs. Pas besoin de se faire chier à faire un décor. Let's go. Merci. La vitesse. Ah par contre quand il bouge je peux pas regarder la carte, ça c'est chiant. Je voudrais bien savoir où je termine. Ah du coup je vais revenir ici. Ok.
Petit labyrinthe du coup là. Bon, gravité. Une arrachée de miracle. Ah. Mario, reviens, j'ai compris, nous pouvons utiliser le sol. Quoi? T'appuies sur le bouton A tout en poussant le pas circulaire vers le haut. Vers le sol, pardon. Ah oui, d'accord. Wouh! D'accord. CRP. CRP. Et voilà le travail. Ça va te permettre de sauter avec puissance. Ah, donc t'arrives là. Ouais, c'est ça. Ah, bah d'accord. Par contre, pour tourner, du coup, ça va être un enfer. Waouh. Ça, c'est beau. Et hop là. Ça, c'est la sortie, du coup. Allons visiter le reste d'abord. Très bien. Sympa la mécanique, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est un peu bizarre du coup quand t'es collé au mur, parce que bah du coup il essaye de se pousser pour y aller, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Balle de crâne, non ça va en vrai. Ça va, ça c'est gérable. Non. Non. Ça par contre pourquoi pas. Ça c'est moins chiant. Bien sûr. Hey, toi là-bas, ramène ton petit cul. Hop là. Voilà. Merci. Très bien. Il y en a qu'un qui bouge plus. J'ai pas regardé. C'est bon. Tout va bien. Oh. De toute façon, tous les mobs dans le monde onirique, j'ai l'impression que c'est pas intéressant à faire. Oh. Let's go. Let's go. Je le prends. Et ouais, ouais, du coup, à part la graine en or, évidemment, parce que la graine en or, c'est... Bah, c'est goldé, j'allais dire. Bah oui, no shit, Sherlock. Et sinon, les autres mobs, c'est long, et c'est long, et ça donne pas grand-chose. Hein. C'est un peu navrant. Là, c'est fini quand? Maintenant! Allez, bon après-midi, messieurs, dames, à plus tard! Comme tous les soirs, quand j'en ai envie. Comme tous les soirs, quand j'en ai. Enfin, comme tout le temps, quand j'en ai envie, ouais. Oui! Alors, tout ça pour un sirop extrême, ça va foutre. Ok. C'est Master Zeus. Damn it. Oh non, je suis tellement mort. En fait, il tape plus que ce que je peux éviter en fait. C'est bizarre quand même. Ah non mais c'est pas possible. Salut Aaron. Bon bah... Pas le choix hein. Pas le choix, je viens de me faire casser la gueule. Enfin...
Pas mal, mais ça bute pas tout le monde. Pas eu besoin de bouger cette fois. Il n'en reste plus qu'un. Qui va me faire des dégâts quand même. Ah mais je suis un troll aussi, je suis un troll, c'est ça le problème. C'est ça mon problème, c'est que je suis un troll en plus. Qu'allons faire hein. Bah oui c'était cool, mais je suis un troll. J'aurais pu ne pas prendre de dégâts mais bon. Comme ça hein. Hop là. Petite graine dorée. Oh la vache, oh le niveau des tortues ninja sur NES. Oh non. Respire. Ça va. Ça va. Ça va, on a vu pire. Non mais... Hop là! La musique est incroyable de cette zone, hein. J'aime trop la musique. Niveau map, on en est où? Ok, je suis revenu ici. Très bien. Bah, c'est là où je devais aller, hein. J'ai un raté spécial. Non, j'ai un raté spécial. On est juste là. Je l'ai fait. Alors c'est pas autre chose vite fait. Et bam. La subsalite. Au troisième mois là c'est bon. Ah bah elle est pas si long la fin hein. Salut Ezekiel. Salut Nata Solo. Eh oui. J'ai une heure et demie. Ah ouais. Le temps passe vite quand on joue à ce jeu. Ah il faut que j'arrête Voilà. Let's go. Comment? Vous osez essayer de m'abattre? Je ne laisserai certainement pas ça faire. À l'attaque. Ah ouais, genre comme ça. Ok. Rond, carré, rond. D'accord. Et comment je suis censé savoir ça, moi? Le problème, c'est que si je fais ça, il va l'éviter. Vu qu'il vole. Vu qu'il vole, je peux pas faire le marteau. Non! Pas mal. Pas mal, 525. Ah, ça j'aime bien ça par contre. Au bas, au bas. Non. D'accord.
Donc triangle vers le haut c'est droit, triangle vers le bas c'est gauche. Très bien. Et c'est que tu viens de faire une erreur de descendre de ton marteau, de ton truc là. Tu viens de faire une erreur là. Non, quand il vole, non, on peut pas. Bah justement, il vole pas. Donc c'est bon. Oh bah, niveau dégâts, j'ai fait plus avec la tour. Hein. Bon. Ok, haut c'est en bas, carré c'est en haut. Non, oui, ça. Les profondeurs, la distance, trop dur pour moi. Oh, j'en ai raté qu'un seul. Got him! Tout ça pour ça? Green! Bon, c'est pas grave, je vais m'enfuir dans un monde, dans un autre monde onirique. Je vous aurai la prochaine fois. Très bien, je sens que quelque chose a changé dans le monde réel. Allons-y. Bah, d'abord, je vais prendre ça. Donc tout ce combat pour ça finalement, d'accord. Bon, un peu triste mais bon. Ouh. Alors ouais. So long. So long, Odiluji. Qu'est-ce qui a changé ici? D'accord. Ils ont tout le truc des boutons pour ça, ok. Oh bah les passages entre les pièces semblent être de retour à la normale. Bon c'est parti. Oui c'est parti, mais d'abord on va aller sur l'île. Vu que le heal est pas loin, autant y aller. Bonjour, un petit coup cité vous faites? C'est toujours un petit coup cité. On dépense 10 pièces, on est full heal. C'est pas plus mal. Et bon, c'est tout. On peut monter. Bah du coup on monte et du coup il va y avoir la suite tout là. Ah oui, du coup, et ça du coup. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié, en effet. Ah ouais, j'avais oublié ça. Bien vu. Hop là. Eh ben on y va, hein. Attends que c'est débloqué. Bap. Boop. Bip. Et fl... Oui, c'est un peu le résumé de ma vie. C'est un peu le résumé de ma vie. A rien de la perfection et je rate. Bah ouais. Bah ouais. C'est le résumé de ma vie. C'est le pathos. En plus, ce qui est drôle, c'est que le bonus des bottes, il s'applique avec le truc des carapaces. Vu que ça fait des dégâts de bottes, bah pour chaque coup de carapace qu'on met, bah ça rajoute des dégâts. Enfin, ça rajoute de XP. Regardez. Attaque l'ennemi choisi avec les bottes équipées. Donc en fait, en faisant ça, on stack en fait l'XP en plus. Et ça, c'est fort. Eh ben.
Ah, là, là on fait 1404, ouais. C'est ça. Sur l'ennemi en or, ça peut rapporter une blinde. Ouais, mais l'ennemi en or, c'est que dans le monde onirique. Dans le monde onirique, on peut pas faire ça. Malheureusement. Ouais, mais attends, mais c'est un four. Malheureusement, y a pas les carapaces dans le monde onirique. C'est vrai que ça aurait été bien, ouais. Ça aurait été pratique. Ah ouais, tu peux le faire avec d'autres attaques, ouais. Des attaques qui utilisent les bots, oui, ça rapporte aussi pas mal. Et pas autant que ça, quoi. Merde. Non, c'est descend. Bah tiens, là, y'a une graine. C'est ce que j'ai fait, ça, Jonesif. Mais. Avec ça, en fait, on stack les attaques. Donc, c'est plus fort. C'est plus fort que juste sauter dessus. Écrite. C'est bon. Wouh. Il y a personne. Bottes de cristal. Ah, des bottes que j'utilise, mais qui se pètent au bout d'un moment, c'est ça? Elle risque de briser. Ah, plus 48. Ah ouais, non, mais... ouais, mais bon, c'est... oui. Plus 48 certes, mais bon, elles peuvent se briser, donc quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt, du coup? Attends, mais j'ai oublié un truc. Là-bas, il y a une pièce. Et comment j'y vais? Oh, quelque chose me dit que je vais devoir attendre un peu avant de pouvoir faire ça. Ouais, oui, oui. Et là-bas, il y avait rien d'autre. Ah ouais, là. Mais je fais comment pour aller là? Faut que j'arrive à aller ici en étant avec les deux bonhommes. Avec les deux gugus. Sauf que je sais pas comment je fais. Alors là, y'a un truc que j'ai raté quelque part? Bah non. Oh, sera sûrement accessible autre part. Hein. Ah, on peut pas faire semblant que je l'ai pas vu, hein. Malheureusement je l'ai vu. Hein. Malheureusement je l'ai vu. Non, bah on peut pas écraser Luigi, non. Heureusement. Enfin, il le fait déjà assez de base, donc bon, si on peut éviter, s'il peut éviter de faire plus. La suite c'est quoi? Ouais mais je voulais pas y aller maintenant. Ah bon bah... Oh oh, Mario et ses amis tous dans mon château. Bah, il doit se croire bien plus malin d'avoir forcé ma demeure à s'écraser. Oh je le déteste. Eh bien, il est débat basilé et débrassé dans ses châteaux. Et il est tombé bien à la fin que c'est l'un de la noue, Abby. Bon, peu importe, oublions ces bons à rien, occupons-nous de conquérir le monde. Oui, très bien. D'abord, il faut accumuler de l'énergie. Ouais, ouais, de l'énergie, des rêves, je sais, ouais.
J'assomme quelques sbires. Non, cette fois-ci, c'est toi qui vas dormir. Quoi? On a méfiant ta soif et des pouvoirs. Elles sont sans limite et c'est pour. L'énergie et tes rêves sont la vive et très puissante. Ouais, t'as raison, ouais, je suis pas mal incroyable. Ok, faisons comme ça, je vais m'installer pour la meilleure sieste du monde. Et quand je vais me réveiller, Mario ne sera plus qu'un rêve et le monde sera à moi. Ouais. Ouais. J'ai pas fini en fait, je voulais redescendre moi. Il y avait un truc sur le côté. Voilà, merci. On n'oublie pas de petites fèves comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Petite save déjà, ouais bien sûr. Fameuse save. Bon c'est juste une voix grave après hein. Ah bah y'a bien un moment où Bowser se fait douiller hein, malheureusement hein, c'est toujours comme ça hein. Enfin malheureusement. C'est lui qui le veut en gros. Non mais il a ralenti. Oh la suite de crit. Ta-ta-da. Attends, à quel moment on se fait couiller ici? Ah ok, c'est gratuit. Bon bah ça va. Je pense, c'est gratuit. Salut Litty. Hop. Très bien. Y'a rien au bout? Ouais, y'a rien. Voilà. Donc ils ont des lignes de bombes, mais ça sert à rien du coup. Bizarre comme truc. Bizarre comme bail. Il y en a deux rapides, après on y va. Ouais. Hop là, t'as pas pensé à celle-là. Et voilà. Easy shit. Oh, ça semblait grand, on aurait dit une zone de boss fight. Mais non. Pas du tout. Ça va, Lissi, ça va. Ça va. Mais comment ça? Bon. Carapace, car XP. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'XP. On va une petite montée de niveau 40 juste avant le boss, enfin le combat de fin. Comme ça, je monte de rang et je peux avoir des bonus en plus. Wouh! Il reste le plus chiant, mais ça va le faire. Tutu. Voilà. On est presque level up. Donc ça sent bon. Ça sent bon. Ah. Encore! On persiste, je vois! Bon, c'est le moment ou jamais de vous perdre dans la brume. Oh non! Oh, oups, cette fois-ci, j'ai aussi mélangé des couloirs des autres pièces.
Désolé, vous ne pourrez jamais sortir d'ici. Vous y resterez ici à jamais. Et du coup, il y a un monde onirique aussi à facile, quoi. Ok. Évidemment. Évidemment. Ah, ils sont encore en... ils sont encore enfuis dans le monde onirique. Et encore une fois, une cache se trouve dans notre chemin. On n'arrivera jamais à activer ce bouton nous-mêmes. À peut-être faire cramer quelque chose dessus. Je me demande s'il y a quelque chose au-dessus de ces rails qu'on a vu dans la salle juste avant où il y avait des bombes qui ont tombé. C'est sûrement un hasard. Hasard. Moi je pense que c'est un hasard bleu. D'accord. Ah! C'est ça le fameux raccourci. Bah, si c'est si gentiment demandé, je vais aller me heal moi. Alors. Enfin, si c'est si gentiment proposé comme ça, je vais aller me heal moi. Hop là, bonjour. Un petit coup cité, s'il vous plaît. Allez, hop là. Non, c'est bon. C'est bon. Comme ça, dès qu'on sera à niveau 40 et qu'on pourra aller chercher du nouveau matériel, on pourra passer par ici. Enfin, de l'autre côté, du coup. Et du coup, le château a l'air d'être immense, du coup. Si on est à peine... enfin, ça n'est même pas la moitié. Oula. Ouh. Oh, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ce meuble-là. Fin de tour. Let's go, mon gars. C'est la fin. Let's go. Ah, merde. Allez, c'est bon. Merci Phonovore pour le 17ème mois. Merci beaucoup Phonovore. Merci beaucoup. Ah! Alors attends, les deux ils sont libres par contre, c'est pas grave. Ah ok. Bah avec plaisir hein. J'ai dû taper l'autre, je suis con. Bon après les deux doivent... ouais. Ouais bon les deux sont pas là. Y'a quand même un assez gros cooldown, ok. Y'a quand même un assez gros cooldown quand il saute, donc c'est facile à voir. Combien d'XP ça du coup? Pas mal, pas mal. Niveau 39 pour Mario. Tu vas pas tarder. Oh, niveau 40, il va atteindre la barre des 100 de moustache. Let's go. Plein de critiques. On aime ça. Et du coup, faut que je tabasse tous les mobs que je croise maintenant. Si je veux vraiment atteindre le niveau 40 rapidement, peu de choix. Hein. Peu de choix. Faudra le faire. Alors, lequel est une arnaque? Celui-là? Déjà, on va aller faire ça pour aller voir l'indice. Alors, moi, je pense que c'est celui du haut est une arnaque. Genre, celui du haut va amener sur le côté, là. Ok. Bon, c'est pas du tout ça que je pensais avoir comme indice, mais bon, c'est bien. Ah non, ok, ceux-là, ils sont pas... D'accord. Bon, bah, j'ai rien dit, alors. Oula. Allez, tous les mobs, et dès qu'on peut faire de la carapace, on fait de la carapace. C'est comme ça qu'on va faire d'XP facilement. Il ralentit le con, il ralentit. On va faire la carapace. Boum. Ok. Très bien. Et du coup là c'est... Salut Quentin. Bah ça va bien. Ça va tranquille. Hop là, Luigi niveau 39. Allez on y est. On est à un niveau du dernier rond.
vais voir les bonus du dernier rang, moi. Du coup, Luigi qui sera à 130 de moustache. Ah, le Mario l'a bien rattrapé quand même. Mario l'a bien rattrapé en moustache. Hein. Non, pas les punks à chiens. C'est bon. Me fume avec leur kleps. Et flan. Hop là. Ok. Ah, il tape deux fois. Ah ouais. Très bien. Allez Mario, termine-moi tout ça Mario. Boum. Et boum. Très bien. On a eu un toucher 54, très bien. Ok. Encore des punks à chiens. Fin de tour. Let's go. Hop là. Bon, les combats se suivent et se ressemblent, hein, mais bon, comme j'ai dit, hein, c'est la meilleure façon d'avoir d'XP actuellement. Donc on fait, hein. On profite, hein. Ah non, il est pas décédé lui. C'est le Ditsu. Le gars qui se fait traîner, incroyable. Ah mais il est out hein, ton gars, hein. Il est out hein. Il va pas tarder non plus d'ailleurs. Quoi? Timing de saut par contre. Ce timing de saut avec l'alerte. Bien joué ça. Ah, c'est Macrimi pour le 17ème wall. Sur 3, merde. Merci beaucoup Macrimi. Merci beaucoup. Merci pour ce soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je dirais que du coup en haut ça c'est une arnaque. Enfin, une arnaque, ouais, enfin, ça a compris. Boîte mystère et la pièce. Ok. C'est là le Felosia. Alors, du coup, testons ce petit triangle. Ce triangle inversé. D'accord. Ça nous ramène au début. Donc, arnaque. Arnaque, on ne prend pas. Mais ok. Ok, ok. Deux. Et on échelle. Mais même en m'arrêtant, je me fais quand même avoir. Merci Blork pour le 6ème mois seul. Hop, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Et oh ça arrête. Ça arrête, mon grand. C'est vraiment qu'on a pas eu de Mario Luigi, comment ça, Azazelon? Comment il ça? Ah, tu veux dire en jeu?
Bah parce que la boîte qui gérait ça a fermé. Elle avait fait faillite, elle a dû fermer. Mais après oui, comme on avait dit, oui après Nintendo a la licence actuellement, donc on pourrait faire des trucs hein. Oui, pas de dégâts pris. Ok. Bravo ça. Hein. Ouais, du coup, y a pas eu de nouveau jeu. Ouais. Après, ils pourront faire ça sur Switch. Hein. Mais bon, est-ce qu'ils vont le faire? On va savoir. Bah, pourquoi t'as pas tapé l'autre? Ah, du coup, ils vont nous faire chier avec ça. Ok. Ah ouais, bah bien. Bien donc te joindre au fun. Mais moi je voulais la tirer le bonhomme. Ah. Un simple comme bonjour. C'est ça le défi du coup. Ah, d'accord, ça marche. Ça marche, bro, ça marche. Eh ben, donc, il est difficile ton défi, hein. Hop. Et du coup, là, si je prends ça. Ça. Bah let's go. Bah oui hein. Faut bien hein. Allez, allez. Des graines en or, s'il te plaît. Des graines en or. Des graines en or, s'il te plaît. Allez, des graines en or, s'il te plaît. C'est quoi, je vais même sauvegarder parce que je suis sûr qu'il va y en avoir. Enfin, je suis sûr. J'aimerais. Je n'ai pas une graine en or. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oh what the fuck, ça lag. Ah. Ah what the fuck. Ok, je suis revenu ici. Hop, moi j'avais jamais prévu de le battre hein, ce mec là. Hein. J'avais prévu de l'affronter. Hein. Oh non! Bah non! Luigi! Luigi! What are you brawling? Ok. Oh le cut! Oh le cut! Y'a quoi là-haut? Arrête! Mais y'a de la thune? Ouais, j'en fous. Mais une graine dorée? Petite graine dorée en fait? Non, vous voulez pas? Une graine dorée? Ah, mais déjà? Mario, Luigi! Oh l'arnaque! Qu'y a-t-il? C'est moi, Peach!
Je suis une damoiselle, sauvez-moi. Non, je croyais pas que ça marcherait une seconde fois. Enfin, je pense... Non, ouais. Alors, j'ai pas du tout fait gaffe à qui était le vrai. Ok, c'est bon, je vois qui c'est. Ah mais il a un petit fétichisme qu'un mec faut prendre. Il aime bien s'habiller en femme. Okay. En bitch surtout. Mais non mais je voulais le lancer sur le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire cette connerie? Non c'est bon, dommage. Ouais, en vrai, le magique est mieux. Parce que t'as plein de petits coups, et vu que j'ai beaucoup de critiques, en vrai, c'est mieux. Vu que j'ai plus de critiques, faut que j'essaye de plein de petits coups. Oh, c'est horrible ce que je viens de faire. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon, je c'est lui. Ok. Et je t'appelle bon en plus. Bah, je suis juste trop chaud en fait. Oh la tour de Pise. Ok, on est pas mal. Combien? 518, bah oui monsieur. Oh non. L'enfer. Allez, on commence. Oh, un peu trop tôt, ouais. Wouah, l'enfer. Ah oui, bah c'est un bien, c'est mérité, oui. Oh, c'est un 400 quand même, hein. Oh non! Mais quoi? Juste au-dessus! Quel est l'intérêt d'avoir, d'en avoir tapé? Ah oui! Oh c'est dur! Faut préchanter tes mouvements! Hein. C'est bon, il s'en va, allez! Ouh, c'est dur! Hein. J'ai fini le jeu la semaine dernière et tu viens de m'apprendre qu'on pouvait freiner la tour en l'air! Oui, on peut! Tu peux ralentir, tu peux même l'accélérer si tu veux. Ouais, la prochaine fois, ça sera pas aussi facile. Bah écoute. Hop, bon c'était juste ça non? Bon bah, un peu triste, pas de graines en or. Salut Bubble.
Et on remonte dans le monde réel. Allez, au revoir. Pour l'instant, tout se passe. On peut enchaîner. Ah, il s'est encore enfui, vite, suivons-le. Non, on peut pas en vue. Non, on va rester là, je pense. Attends, je vais juste me... Voilà. Voilà. Très bien. Alors. C'est un joli petit bordel. Genre par exemple, par là, y'a rien. Et par là, y'a quelque chose. Cool les hitbox, en tout cas cool. Cool. Trop cool les hitbox. Oui, un Luigi qui dort. Parce que quand Luigi dort, ça ouvre un monde, ça s'appelle le monde onirique. Et dans le monde onirique, il s'y passe des choses. Et il faut sauver des gens dans le monde onirique. Parce que, pourquoi? Bah parce que c'est l'histoire. Voilà. J'espère que cette réponse te convient. Parce que je te pourrais pas te donner plus tandis que c'est l'histoire. C'est Mario Luigi après, hein. Et qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Bah on est Mario et Luigi. Tu sais, ça peut surprendre. En général quand je dis ça peut surprendre, oui, qu'on joue Mario Luigi. Parce que c'est un jeu Mario Luigi. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah tout simplement on... Ah oui, il faut que j'aille chercher ça, bien vu. On sauve le monde des Coussinos, un monde habité par des coussins, Coussinos. Et on doit les sauver, parce qu'ils sont pétrifiés, on doit les dépétrifier quoi. Bah là quoi. TGC, bon. Ta gueule c'est mieux, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, je sais que c'est ta gueule, c'est magique, au cas où. Mais c'est vrai que ta gueule, c'est mieux, c'est pas mal aussi. Salut la badoie. Bah, du coup, ça va, hein. Ça va, hein. Oui. Quoi? D'accord, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Avec un truc qui s'appelle un émulateur, Raze. Ça permet de jouer à des jeux de console sur ton PC. Bah non, évidemment que tu as le jeu chez toi, bien sûr. De toute façon, t'as pas le droit. Hein. Hop là, t'auras pas la liberté pour longtemps. Le niveau 40, il est loin, bordel, mais on va l'avoir. On va l'avoir. Allez, pièce numéro 9 et la numéro 10, elle était juste là-haut. On l'avait vu. Bon, ça va le faire. Alors du coup, pour avoir la pièce là, il faut qu'on aille ici. Eh ben, allons-y. Comme ça, nous débloquons l'attaque. C'est Fire Out. Ah, oh, quoi. Je suis trop rapproché. Je me suis trop rapproché. Oula, mais attends, mais y'a du mix là.
y a un mix un peu de tout. Allez, du crit. Du crit. Du. Voilà, encore. Encore. Boum. Dommage. Un petit champi XL, bien sûr. Le petit gars derrière qui prend 2 par 2 par 2 par 2 par 2. Voilà, arrête de le ralentir. Ah ouais. Ok. Un peu le seum. Non, on peut pas dire pauvre Mascas, c'est pas vrai. On peut pas dire pauvre Mascas. Ils le cherchent. Ils sont là pour ça. Et voilà. Alors du coup, c'est quoi la dernière attaque qu'on a débloquée? Sachant qu'on a l'attaque de Morphibou qui est bien mieux, je pense. Incline ta console pour changer la trajectoire de l'étoile et attraper toutes les petites étoiles. Ah, bah bien sûr. Mais jamais de la vie, ça, jamais de la vie je pourrais en fait. Enfin, je veux bien essayer, mais jamais de la vie je pourrais le faire. Alors bon, incliner la console, bon. je vais pas m'en servir de celle-là, je crois. Je crois que je vais m'en servir de celle-là. Ouais, je sais pas. Ouais, ça me chauffe pas plus que ça, j'avoue. Oh, une statue d'or. Oh. Non, m'intéresse pas trop de faire cette attaque, non. Non, mais j'ai débloqué mieux de toute façon. Donc pourquoi utiliser celle-là? J'ai mieux. Ce serait bizarre. Elle arrive bien pourtant. Ouais, sûrement. Hein. C'est pas trop ma cam. C'est pas le genre d'attaque que j'aime utiliser. Y'a rien à récupérer là-dessus? Moi, je pense pas. Bam! La touche. Pas du tout. Hein. Je peux toujours pas utiliser ça, faudrait qu'on l'utilise un peu. Comment ça? Non, Mario. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Ouais, on va continuer les carapaces, hein, je pense. Hein. On va continuer les carapaces, c'était bien. Bizarrement, ça marche mieux ouais, avec. Ça marche plus avec les carapaces seulement. Mmh. Bon, on est mid-niveau, faudrait vraiment que j'arrive à trouver une graine en or dans un monde onirique là. Ça pourrait vraiment m'aider. Mais bon, ça va être dur à trouver. Saloperie. Je pense pas qu'il rentrerait aussitôt. Ah, on va y arriver. Bah c'est un peu ça, hein, mais bon. Même au carapace, je suis nul. Ah la vache. On se remet un peu dans le tas, bordel, là, c'est pas possible. Hop là. C'est chronosial. Boum. Boum. Voilà, merci. Ouh, ouais, bah, et donc, mon salaud. La galère, hein. La galère, hein. Alors, nos chaînes.
connais ça, ce jeu. C'est le jeu où tu joues un poulet, faut pas se faire écraser par les voitures. Je connais... Après, bon, en général, ce genre de jeu, c'est faisable. Mais attends, mais pardon. Attends, c'est infaisable. Elle a mis une boucle. Oh là là, le cut. Oh là là, tu t'attendais pas à celle-là, mon salaud. Ah là, easy, mon gars. J'ai eu aucune galère, hein. Franchement, ça a été d'une simplicité. Ça a été d'une simplicité, ce fight. La Cross Heroes, c'est ça. C'est Victor, en fait. Allez, on y va. L'XP. Bientôt le niveau 40, merde. Oh, le crit, let's go. C'est ça, les gars. On est presque. Vache, c'est B-Way. C'est les marrons jolis. Mais ça va. Tranquillou. Hop. Oh oui, c'est beau ce qui se passait là. Ça, c'était une belle suite. Ça, c'est une très belle suite. Merci FS Jojo pour le Prime. Merci beaucoup. Tu te calmes, on a dit. Lilith, POV Lilith, quand elle est énervée. Bon, je mets pas des coups de marteau, hein, heureusement, mais. Mais ça pèse si j'en serais obligé, quoi. De la merde. XP. Can I get some XP? Ok. Ça me va, on enchaîne les combats vite comme ça. Bap. Quel combat dingue. Simple, efficace. Bonne cristal, bien sûr. Ah, on avance. Oui, mais ouais, mais j'ai arrêté de lui donner des bonbons à la Macha parce que ça la rend folle. Même les bonbons tout court, elle devient accro. Tu sais, elle a. Si tu lui donnes pas, si tu leur donnes pas. Même heure que le jour d'avant, bah elle va péter un câble. Donc en fait, c'est malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est pas une bonne idée de lui donner des bonbons. Et après, elle l'intègre dans sa routine, si tu veux. Après, elle se dit, bah ouais, c'est genre des bonbons là. Donc j'essaie de pas trop lui en donner non plus. Et je lui en donne quand elle est sage et qu'elle fait pas de conneries. Je laisse deviner que bizarrement elle en a pas beaucoup. Ça lui faltera. Ah bah tiens. Yeah, attention idiot. Oh génial, ma magie a dératé. Eh oui, tu peux pas utiliser ta magie, bruh. Oh, j'ai pas pu changer les couloirs à mon goût. Mais pas de problème, ils sont encore plus mélangeux avec mes petits cerveaux. Ouais, allez. Ta gueule, on y va. Ah, donc ça sera pour plus tard. Bon allez, du combat s'il vous plaît, du combat. J'ai un niveau 40 bientôt là. Allez.
Salut Litchi. Très bien. Hop, hop, hop. Et là, il baisse son froc. Ok. Easy. Aucun dégât de prix. Ouh. Ah, en plus, je vais leur toucher. Très bien. Ça va, ça va. Mais t'as, mais donne des objets aussi. Ok, plus que 2-3 combats et c'est bon. On est niveau 40. Donc, bah... Excusez-moi, vous aurez des ennemis ? Ouais, des ennemis! Ah. Les princesses. Hop là! Mais! D'accord. Donc là ils sont tous low life en fait, ça le bail. Bon pas, m'en fous. Hop. Ah ouais, c'est pas avec des combats comme ça que... On va aller vite. Oui, bravo ça. Encore un combat pour Mario et deux pour Luigi. La tension monte, le bonheur est proche. N'attendons que ça, que d'avoir le bonheur d'entre demain. Ok. Par contre, dès qu'on a accès à la sortie, je ressors pour aller au magasin arc-en-ciel, moi. Y'a du stuff à aller chercher, hein. J'aurais tellement dû garder de plus de thunes. J'aurais tellement dû garder plus d'argent. De toute façon, ça va vendre en masse, hein. On va avoir des trucs cheatés à acheter, hein. Ah merde, t'attaques le... Ok. Ok. Je sais pas pourquoi il a attaqué celui-là, mais... Merde, j'avais oublié qu'il rushait dessus après. Allez Mario! C'est à toi Mario. Et Mario qui va monter niveau 40! T'as Twitch aussi? Oui! Let's go! Oh la vache! Niveau 40! Yes! Le roi arc-en-ciel! Alors, c'est quoi qu'on a gagné? Enfer! Oh, il y a plus un en plus! Oh! Ah, mais d'accord, on peut. D'accord! Double l'effet des objets de restauration d'énergie. L'attaque Lumi. Frère Lumi Magique consommera deux fois moins de PB qu'en temps normal. D'accord. Incroyable! Augmente la puissance d'attaque de tout saut solo de 125. D'accord. Je pense qu'on va mettre déjà un équipement, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Tu as obtenu le plus grand, tu vas choisir un bonus en plus, let's go. Et par contre, après en deuxième... C'est vrai que le... C'est vrai que ça là c'est fort. Hein. Mais j'ai pas envie de le prendre. Je sais réduire les dégâts, d'accord, mais. Non, je vais prendre ça, je pense. Je vais prendre le badge plus 1. Comme ça, on peut stocker les bonus. Et comme ça, je suis littéralement intuable. Parce qu'après le reste, ouais. Parce qu'il y a ça aussi, mais bon. Ah, après, ça c'est quand même pratique.
Non, vas-y, on va prendre ça. Allez, on joue. C'est quand même pratique, ça coûte deux fois moins cher en points. Et laissons un de moustache de Mario. À toi, Luigi! Ah, c'est quand même bon ça. Donc pareil, on va prendre équipement. Voilà. Et frère tranquille. Voilà. Après, faut voir ce que je leur mets comme équipement quoi. Faut voir ce que j'ai comme... Bah au pire on verra au magasin arc-en-ciel je pense. Ça sera plus simple. Alors pourquoi je suis allé par là? Ah bah voilà pourquoi je suis allé par là. Hop là. Ah j'ai tourné tellement tard. Non, oh, t'abuses. Ok. C'est la fin. Et comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ça c'est good. Ah si c'est le Kinder. Hein. Pour le sixième mois. Merci beaucoup. Ok. Bien sûr. Bien sûr. Déjà on débloque l'accès et ensuite on met ça. Oh c'est propre. Oh c'est propre. Oh sûrement bien oui. Je dirais que oui. D'accord. C'est bon. Très bien. Et par contre, du coup, mettre des bombes là, c'est quoi l'intérêt du coup? Il y a sûrement un intérêt, sinon on le ferait pas. Évidemment. Chier. Ah bah écoute, ouais, hein, c'est... ça arrive plutôt que ce que tu penses en général. Eh ouais. Eh ouais. Boop. Enfin maintenant l'XP c'est plus vraiment nécessaire, hein, c'est... Pour les stats, si évidemment, mais je veux dire, on est niveau 40, faut qu'on aille chercher de nouveaux matos, c'est surtout ça qui est le plus important.
Alors, ça sert à quoi d'avoir mis des bombes ici? Ah bah, pour là-bas. Hé! 2,40, c'est le max. Je m'étonnerais. C'est le max pour les rangs, mais après... Ça veut pas dire que tu peux pas... Tu peux pas continuer. Attends, du coup j'ai débloqué ça là-bas, mais du coup faut que je retourne ici pour la suite. Et si je prends ça, je retourne au début. Est-ce que j'ai un intérêt à aller... Bah, faut que j'aille en bas. Et si je fais ça? Ah bon, c'est pareil. Voilà. Une bonne chose de faite. Attends, mais le truc là-bas, il sert à quoi du coup? Le truc qu'on a ouvert là, ça sert à quoi du coup? C'est juste pour du stuff? Bon, si c'est pour du stuff, on y va alors. C'est tellement large comme endroit, c'est affolant. T'as moins de changer tes stats, si t'as pas eu de luck, tu manges ton sub. Bah... Non, je crois pas que tu puisses changer les stats, non. Non, il me semble pas. Faut que tu mettes au fur et à mesure. Et tu peux pas changer après, je crois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Champi XXL, sirop extrême, ouais, bon. Et de la FFF, quoi. Hop là. Tout ça pour ça, très bien. Bon. Un peu déçu. Ça va, c'est agressif, vous inquiétez pas. Hop. Parce qu'on va, quand j'augmente la vitesse sur l'émulateur, ça agressif un peu. Comme ça, au moins, on va plus vite. Allez-vous. Oui. Comme ça, après, normalement, pour la suite, je débloquerai le dernier passage. On pourra aller chercher les affaires. J'ai avec une manette, ouais, avec une manette de Xbox. Une manette de Xbox blanche, ouais. Voilà. Rien d'OSP. Parce que c'est le plus simple à setup sur PC. Juste pour ça. Bon. Vous êtes... Excusez-moi, vous êtes... Ah ouais! Ah ouais! À faire ça, let's go. Hop. Voilà, quel taf! En plus. Juste si on gagne encore de l'XP, c'est que c'est pas le niveau max. Si c'était niveau max, on gagnerait plus d'XP. Ok, bon, ils sont pas chiés. Enfin, on se fait pas chier du coup, on y va direct. Ah non, d'accord, y'a quand même un truc. Tortue Tom pour le 10e mois, merci beaucoup. Non. Arrête-le. Mais what the... Mise à jour de Overwatch 2? Ah ouais? Yeet! Cours!
Oh, arrête! Et Louis... Luigi! Ah, bien. Salut, Basgar. Ok. Yit! Ah! Oh putain, oh, c'est dur en vrai. En vrai, c'est dur. Ok, combat. Heal. Sirop. Let's go. Allez, c'est parti. Autre combat contre... Nouveau combat contre Québec. Ok, fini de jouer à la cachette. Fini sur ça une bonne fois pour toutes. Je ne rigole pas cette fois, je ne me retiendrai pas. Ça y est, là c'est vrai combat. Encore. Je sais pas ce que ça veut dire du coup. C'est pas grave. Bon, j'en ai raté, hein, dommage. Oh, l'excellent! Nice, je l'avais jamais fait en excellent. Let's go, la vie. Ah! Ah! Oh putain, je sais jamais. C'est... Oh! Ok. Dommage. Ok. Merci Rubiad pour le... L'année de sub. Allez. Merci beaucoup Rubiad. Salut Goomz. Ah, on va avoir une belle perte là quand même. Ah oui, la vache, la défense qu'ils ont. Ah ouais. Quoi? Ok. Ok. Ouais. Ok. 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 Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les femmes, les flics, les... ça va trop vite. Ça me fait vraiment me faire laminer quoi. Oh le excellent, ils prennent 30. Faut que je leur baisse leur stats. Oh quoi? D'accord. C'est la merde.
Oh non, pas les... Non, du bail. Non, pas le balai. Non, je suis tellement mort. Je suis mort. Non, mais je me suis fait détruire. Littéralement. Donc il faut éliminer. Il faut qu'on élimine surtout celui du haut, je crois. Je crois que c'est celui du haut qui faisait du turbo buff. Donc s'il faut qu'on en élimine un en priorité, c'est celui du dessus. Donc on va y aller comme ça, je pense. On va faire qu'un bug vert. Il me semble que c'est celui du dessus. Hein. Oh non. Vas-y, je focus le verre à donf. Pas le balai. Not the balai. Ok. Ok. Salut, Exit. On tabasse le verre. Le verre, c'est celui qui est le plus dangereux. Dommage. Excellent. Voilà, le Kamek vert il dégage. Pas de bonus. Ça suffit les bonus. Le heal est pas si dangereux en vrai. Ok. Ok, droite-gauche, au bas. Ah non mais... Non, pas le balai. Not the balai. Non, pas le balai. Ok. Pas le balai, hein. Ils ont plus les buffs, du coup, hein. Bon, s'ils ont plus les buffs, on va focus le rouge. Moi je pense qu'il faut quand même qu'on élimine le Kamek de base. Ça serait peut-être plus intelligent de taper le Kamek de base. Eh bah y'a plus de Kamek rouge, très bien. Go lui laisser le blanc, il va le heal. C'est pas si grave. Ok. Comme tout à l'heure. Trop attendu. Peut-être y aller au marteau maintenant. Oh non! Oh non! C'est bon. Ah non, encore. Not the...
dangereux qu'un mec, hein, finalement. Hein. Quand on s'attarde sur la question, il est un peu énervé, hein, qu'un mec. Hein. Oui. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien pour l'instant. BAM! Le gros 500 dans ta gueule. Ok. Dommage. Dommage. Ouais, en fait, j'ai peur que si je bute le blanc, il fasse tous respawn. Du coup, si j'en ai un gardé en vie, c'est lui quoi. Ok. Donc, autant garder le blanc en vie, comme ça, il va le heal de temps en temps, pourquoi pas. Mais c'est pas dérangeant. C'est le blanc qui a pris. Bon, c'est pas grave. Il n'est pas... Ah ! Game ! Nice ! Ouais, fallait juste que j'élimine le gars qui buffait, là, le Kamek vert, parce qu'il donnait des stats trop fortes. Non ! Non ! C'est pas vrai. Oh, j'ai envie de... Oh non ! Oh non ! Ah, si j'avais su ! Si j'avais su, j'aurais laissé le rouge en vie. Ah, le salaud, il s'est sacrifié pour sauver son Baus. Aïe, 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 aïe. Ah, mais tu veux jouer malin, ça marche. Il n'a que 700 HP, c'est pas grave. Deux attaques lumière magique, c'est fini. Oh, c'est pas de la belle attaque lumière magique, ça. Ah, ils ont tous raté! Il y a 500 HP. Non, non, fais. Non, non. Non, fais pas ça. Ok, c'est. Ah, c'est la course. C'est l'heure, Kamek. C'est l'heure de partir. C'est l'heure, Kamek, il faut partir. Tu as assez de temps, tu as assez vécu. Maintenant, il faut partir. Allez, goodbye. Goodbye. Oh, oh, le crit à 1000. Incroyable. Et c'est game. Let's go, go champi, d'accord. D'accord, d'accord. 4000 d'XP, ça sert à rien. Bah non, non, Gomes, non. Oh, j'ai... Le sprite. Ah, ah. Alors. Bot sinistre. Comment ça? C'est quoi les bots sinistres? Te cause aussi des dégâts. Ah, quel est l'intérêt du coup? Tu tapes fort mais tu te fais mal quoi. Ah, du coup vu que j'ai déjà un gant, faut que je mette un foulard forcément, d'accord. Et là du coup je veux dire juste regarder, voilà, gant champi. Si t'es même individu, un champignon sera utilisé automatiquement, c'est de la merde. C'est de la merde. Bon, on va voir ce qu'on met après. Allez. Oula, la VOD, j'ai pas causé la VOD. Dommage. Eh ben, fin de VOD.